tous, c'est Steph, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur PUBG16, la carrière avec le Paris FC. Alors j'aurais bien voulu faire la suite sur FIFA, mais malheureusement les serveurs EA sont actuellement, où je voulais faire la vidéo, sont down, donc du coup bah, pas de FIFA. Du coup ce sera du PUBG, on va continuer tranquillement, avec donc la suite contre Monaco, contre Nice. Nous après on a Evian. Je vais regarder un petit truc. Parce que je me souviens plus s'il y a des résumés vidéo aussi, comme dans FIFA, parce qu'il y a des ralentis à la fin des matchs, je me souviens plus du tout, sinon PVS ça y est aussi. Donc on va voir ça, et si ça y est, peut-être que je ferai comme FIFA, j'utiliserai les replays du jeu pour faire un peu les meilleurs moments sur les matchs peut-être un peu moins importants. Donc on avait Timocho Kendricks, puisque Danilo est suspendu. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont plus en forme? Gignac un peu plus en forme. Odegaard est en forme. Rami est en forme. J'ai Gomez qui est en forme, mais après tout le reste, c'est tout normal. Suvasic un peu fatigué. On va le mettre au repos. Et on va se mettre Ferdinand sur le banc. Ouais. Et on va y aller comme ça. On va y aller comme ça. On va changer les maillots. La revanche donc de Monaco, parce qu'on les avait battus en coupe, je crois, avant, il n'y a pas longtemps. Hein. En demi-finale de coupe, je crois, un truc comme ça. Et c'est la revanche. Téléspectateurs du monde entier, on va finir de s'échauffer ensemble. Toujours au Guanabi Stadium, le stade de toutes les équipes du monde. Très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de football. J'ai en ma compagnie Darren Tulette et son regard décalé. Salut Darren. Salut Grégoire, content d'être ici avec vous en espérant que ce match nous fasse vibrer. Allez. On est parti. On est parti pour ce match. Et coup d'envoi de ce match. Hop là. Attention de garde parce qu'il est pas. Il est pas aussi peut-être pas aussi physique que peut l'être un Andersen. Le Paris Football Club qui enchaîne les résultats ces derniers temps avec pas moins de 5 victoires consécutives. 5 victoires consécutives. Hein. En championnat ou toute compétition? Dommage. Ils sont chauds déjà, ils sont chauds sur le ballon. Ah, ils font des grosses récupérations. Ferreira Carrasco. Fabio Quintrao. Ouais, bien joué. Il tente de la jouer. Allez, pour Gignac. Ouah. Il récupère ce ballon, mais il n'arrive pas à frapper. Dommage. Dommage parce que j'allais faire la fin de frappe. Oh, il est passé devant, il avait tout fait de garde. Sauf qu'il a oublié le ballon en passant. Germain, c'est joué long, attention. Oh là. Il tente sa chance. Oh, ça passe à côté. Le petit lag. Et je crois que le gardien sait qu'il était par sur la trajectoire. Bernardo Silva. Bon, on était pas loin, hein. C'était pas loin avec Rami. C'était pas loin d'être sur le ballon. Le Paris Football Club qui, si j'ai bien noté, n'a pas encore cadré dans cette rencontre. Tu n'as même pas encore frappé, je crois. Oh non! J'étais en train de me dire, comment il a fait pour récupérer le ballon? C'est pas possible. Vous pouvez pas récupérer le ballon. Ah non. La mauvaise passe. Il n'a pas hésité, c'est propre. Bien joué Hendrix. Le tacle dans le vent. S'engage dans une possession un peu stérile. Ouah, le petit pot. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Ouais, il a plus gêné Coman que gêné l'adversaire. Allez, on relance. Allez, ça c'est bien joué ça. Ça c'est bien joué. L'accélération pour Gignac. Oh, le demi-volée de Gignac. C'est, elle est pas. 6 mètres. Ça aurait pu être un corner parce que bon. Je pensais pas l'avoir touché.
Je pensais que le défenseur l'avait pris aussi. Ouais, j'ai des voix quand je joue. Je sais même pas si ça se voit en vidéo. Mais ça se voit pas en vidéo. Mais moi j'en ai des quand je joue. C'est très agaçant. On est à la demi-heure de jeu, ou quasiment. Ah, dommage. Un petit peu trop forte. Hop là. Germain, mais il n'arrive pas à se rapprocher. Ouais, ils sont plus dangereux que nous. Germain. Oh là, voilà. Quel tacle. Allez, l'accélération. Je crois qu'il est hors jeu. Il est signalé hors jeu. Ouais. Et il était totalement hors jeu. Mais son appel était bon. Non, j'ai la main qui est un peu mouette. Alors, du coup, je glisse un peu sur mon joystick, qui est déjà bien abîmé. Ah, le Charaoui qui s'en sort. On attend encore le premier but dans cette rencontre. Et oui, il faut bouffon. Bonne intervention défensive. Oh non, comment il a réussi à prendre le dessus, c'est pas vrai. Je gagne aucun duel, quoi. Non. C'était pour les basses. Hein. Enfin, c'était pour réveiller. Mais ça n'a rien donné parce que les joueurs sont trop éloignés les uns des autres. Et c'est la mi-temps et c'est assez stérile. Hein. C'est franchement pas terrible. Ah oui, il y a les temps forts. Mais on ne veut pas sélectionner les temps forts. Aucun but marqué, donc on en reste à 0-0. Ok, bon. Il y a les temps forts aussi. Tiens. Ouais, je regarde en fin de match. J'ai jamais fait attention aux détails. Mais c'est parti pour la seconde période de ce match. Jusque dans FIFA, en fait, ils nous les montrent direct, tandis que là, ben. Très compliqué. J'imagine que le manager les a remotivés à la pause. Il les a bien engueulés, surtout. José Olebas. Ah non. Kingsley, quoi. Kurosawa. C'était quoi ce contrôle, Kingsley? Le Paris Football Club qui devra être prudent pour éviter de remplir son infirmerie. Non. Kurosawa. Pourquoi je devrais être prudent? J'ai pas de blessé. Oui. Putain, je touche pas un ballon, c'est terrible. Hein. Oh, quelle erreur, mais quelle erreur que je fais. El Shaarawy, non, comme ça ne passera pas. Il reste environ une demi-heure de jeu, mais le score est toujours de 0-0. Putain, j'ai vraiment des gros lags, c'est pas du tout agréable pour Chou. José Olebas. Oh non. Il est bien placé. Oh là 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 là. Oui, il était en jeu. C'est mal passé, la séquence s'est pas du tout passée comme je la voulais. Il a terminé son échauffement, se rapproche du terrain, un changement va intervenir sous peu. C'est pas terrible, hein. C'est vraiment pas terrible pour le moment. Je trouve pas le. Ricardo Carvalho. Allez, peut-être la Gignac. Attaque. Pas encore de but inscrit dans cette rencontre, mais ça pourrait changer. Attaque l'assassin, Denrix. Ricardo Carvalho. Toujours pas de mouvement du côté du banc. On entre dans un moment du match où le rôle du coach peut être décisif. C'est pas vrai, monsieur l'arbitre, c'est pas vrai. Je suis sûr qu'il est propre ce tacle. Oui, tout ce qu'il y a de plus propre. Il joue très très court en fait, il joue énormément de possession. Allez, Kingsley.
Ah oh, putain, mais c'est pas vrai quoi. Il y a toujours un mec qui est là quoi. Ils font un pressing, enfin un marquage vraiment sans faute. Hein. Longue ouverture. Allez. Fait, là. Oh là là, c'est pas vrai. Oh, le bon tacle glissé. Je me demande comment j'ai fait pour les battre en coupe. Hein. Et le geste plein d'autorité, quel tacle. Non. Ah, c'est pas vrai. Les deux, quoi. Les deux se sont regardés comme des imbéciles. Allez. Anderson qui va rentrer. Freddy Wingy, ça fait longtemps qu'il n'est pas rentré. Jordan Ibe de l'autre côté. On galère, un match difficile, là, je trouve. Hein. Parce qu'ils tiennent le ballon. On ne peut pas aligner deux passes sans les rater. Après, ils font que jouer au ballon derrière. Hein. Fabio Quintrao. Ferreira Carrasco. À la régulière, il est battu. Joli tacle. C'est une bonne situation sur l'aile gauche. Ah non, non, c'est pas vrai, Gignac. Ah, le sale tacle. Gignac, il est pas dans le coup là. Il est vraiment pas dans le coup parce que il est tout le temps pas dans le bon rythme. Il est tout le temps pas dans le bon rythme en fait. Joli travail à deux. Oh, quel geste. Bonne intervention qui stoppe net ce one man show. Waouh. Andersen quoi, tout contrôle Andersen. C'est bien beau de vouloir temporiser, faire tourner le ballon, mais il va falloir un petit peu de percussion. Odemwingie. Dans la profondeur, Gignac. Gignac la tête, c'est voilà. Incroyable comment il est allé la chercher. Ça semblait se diriger. Le premier tir cadré à la 88e minute. Quoi. C'est terrible. Match pourri. Oh là là. Personne à la récup. Waouh! Oh là là! J'ai tenté la dernière frappe qui aurait pu être pas mal. Putain, 0-0, un 0-0, mais calme! Comme souvent dans ces cas-là, c'était un match nul intéressant, mais 0-0 à l'arrivée. Tu dirais que c'était un match équilibré et pas sans intérêt. D'ailleurs, il a fait deux beaux arrêts. Ouais, donc il y a les temps forts. Belle soirée, belle ambiance, un beau stade. Tout était là d'arène pour qu'on se régale vraiment pendant cette rencontre. On se retrouve très vite. On regarde un petit peu. À bientôt. On s'en fout, on le voit trois fois, mais. On le voit encore une fois. Quatre fois. Cinq fois. Six fois. C'est tout ce qu'il y a dans le match, en fait. D'accord. C'est le seul truc à retenir du match. D'accord, mais il faut encore qu'il fasse des. Il faut encore qu'il fasse des progrès sur ça, PES. J'avais jamais fait attention, mais c'est vrai qu'au niveau des temps forts. Hein. J'ai fait quand même une frappe, voilà, la tête qui était cadrée. La dernière frappe, j'ai tenté le lob de justesse. Le gardien, il a pu l'empêcher de rentrer. Je suis désolé, c'est pas mal quand même. Plus Grenier qui passe à 75. D'accord. Allez, prochain match contre 10. Et après, je crois qu'il y a un match contre Evian. Et je pense que je verrai si on va essayer de le faire en moment fort. Même s'il n'y a pas grand chose dans les moments forts. On verra bien. Ok, va être toujours Jiménez, mais je peux pas le faire venir. Ouais, Nice qui est quand même 3ème. Hein. Bonne saison de Nice. Bah, ils en aigré d'or en même temps. Il y a peut-être de ça aussi. Ah, mais il a que 75 degrés d'eau. Donc c'est pas si oufissime que ça. Anderson qui est pas en forme. On va faire entrer le Fernandinho en relayeur. Cette fois-ci, c'est Naldo qui est pas en forme.
Il a Nulo qui peut revenir. Est-ce qu'il revient? Non, on va laisser Hendrix. On va inverser les deux. Psychologiquement parlant, c'est mieux. Je vais mettre Danilo sur le banc. Et Anderson, il va sortir, céder sa place à... Ah, Eno. Ouais. Ah, Eno. Et on va y aller comme ça. On peut peut-être faire jouer un deuxième maillot, non? Non. Non, non, c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Allez, on est parti. On est parti contre Nice. Toujours au Konami Stadium. On va faire un effort aussi au niveau des stades. Ça serait bien. Et plus de stades différents parce que si tu comptes, en fait, t'as 90% des équipes du jeu qui jouent dans le stade de Konami. Donc c'est un peu abusé. Tout le monde joue à domicile, en fait, tout le temps. Ah, dommage. L'OGC Nice qui nous avait battu. Allez, Fernandinho. Fernandinho, le récupérateur. La frappe de Fernandinho qui va rouler à côté. La fin de frappe plantée. Hop là. La bonne récupération. Hop, fin de frappe. Et frappe enchaînée, mais malheureusement elle est un petit peu trop molle et on passe un peu trop à côté. C'était nul. C'était nul. Première occasion, pourri. La pelouse est bien verte. Ah, fait plaisir. C'est pas la même que dans le match précédent. Je crois. J'ai l'impression. Ouais, les gars, il faut peut-être faire autre chose quand même. Allez, marquage sur Negredo. Marquage sur Negredo. Allez, Coman. On a vu Timotchouk. Ah, c'est monsieur qui arrive pas à donner son nom. Il n'arrive pas à donner son ballon. Oh là là, quelle défense! Ah! Hop! On arrive pour relancer le centre. Non, ce sera contré. C'est encore contré. Et ce sera une douche. Allez, Olivas, l'accélération d'Olivas, le centre d'Olivas, voilà. Devant le... En plein entrée de surface, là, c'était un peu le cafouillage. Ils s'en sortent. On est à la moitié de cette première période et toujours aucun but. Bon, c'est déjà un peu plus intéressant que le précédent. Voilà, frappe. La jolie frappe. Allez, on relance rapidement sur Coman. José Olivas. Le petit ballon. La deuxième frappe, le poteau. Oh là là. Ah, dommage. Oh là là. Le gros tac. Le gros tac. Allez, attention, attention à Negredo. C'est le deuxième meilleur buteur de la Ligue 1. Bon, voici Negredo. Ouah. C'était contré? Je ne sais pas. Ça a été contré. Un corner. Bon dégagement, bien joué. La passe est précise. Bien joué, De Wingy. Bien joué, De Wingy. Bon attaquant, mais il n'a pas pu frapper.
On va lancer un petit peu derrière. On en est toujours à 0-0, mais on a eu droit à plusieurs tirs des deux côtés. Odi Mwinje. Ah! Donc c'est peut-être un truc un peu difficile. Oh là, c'est chaud, quel tacle! Martial. Timochu. Pour trouver la faille dans la défense. Ah. Je me suis fait prendre en sandwich par deux Niçois. La salade niçoise. La petite salade niçoise. Et c'est toujours 0-0 à la mi-temps, décidément un épisode totalement stérile. Mais c'est déjà un match un peu plus plaisant que le précédent. Le précédent c'était quand même assez fermé. J'espère bien que ça ne se terminera pas ce score, ce serait bien triste. Effectivement, j'espère aussi. L'OGC Nice qui s'est imposé lors de la dernière journée en grande partie grâce à son entraîneur. Bon. Moi j'aime les managers qui n'hésitent pas à changer de plan en cours de match quand ça ne marche pas. Il faut savoir reconnaître ses erreurs et puis s'adapter. Allez, Kingsley. Longue ouverture. Allez, bien joué. Bien joué, Martial. Bien joué, Martial. Martial qui donne à Coman, le centre de Coman. Il n'y a absolument personne au second poteau. Coman! Oh putain. C'est bien repoussé par la défense. Oh les bins! Oh le centre, il n'y a personne! Il n'y a personne! Il n'était pas parti. Il était. Oh, ouais. Gros tacle. Gros tacle, il n'était pas parti, Martial. Dommage. Ah non, ça va pas marcher. Ah dommage, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je galère avec mes attaquants. Hein. Non, mais on va laisser comme ça vraiment. Plus le temps passe, plus l'ouverture du score pourrait être décisive. Ah, tu peux pas. T'as un à deux quoi. Barzali. Allez, il rejoue derrière quoi. Faut que je les presse un peu moins pour qu'ils jouent un peu autre chose que derrière. Ils ont encore fait un seul changement, c'est important. Nampalis Mendy, le passeur décisif de son équipe au match précédent. Parejo. Bien joué. L'arrivée ne pourra rien en faire de ce ballon. José Olivas a l'air différent par rapport au dernier. Oh là là. C'est marrant, je me disais exactement la même chose. C'est quoi à votre avis? Oh, je ne sais pas trop en fait. C'est plus une sensation qu'autre chose. On dirait qu'il a progressé d'un coup. Ah. Allez, on est Wingy. On est Wingy. Attention. La frappe de Martial et l'ouverture du score. La petite pichenette de Martial pour l'ouverture du score. Enfin un but. Enfin un but. La bonne passe d'Ode Wingy. Dans l'espace. Et le petit ballon. Il s'est fait gravement faucher par le gardien quand même. Bien joué. Je pense que j'aurais tiré direct, ça aurait pas marché. Bien joué, Martial. Et on ouvre le score. On devrait assister bientôt à un changement. On va aussi faire des changements. Est-ce qu'on sort des Wingy? On fait entrer Dinatavé. Et on fait entrer la vitesse à Djibril Cissé. Qui pourrait peut-être nous apporter.
On dirait que c'est les changements, on dirait que c'est les bruits d'avion. Gros pressing. On est trop nombreux là, c'est un côté. Le voilà servi. On voit si pas les gros. Attention. Bien joué. Allez, bien joué. Allez, réveillère. L'accélération de réveillère. Pour trouver la faille dans la défense. Allez, on va chercher Djibril Cissé qui arrive à centrer. Voilà. Ça ne passe pas. Oh non. Non, il arrive à récupérer le ballon. C'est frustrant de voir cette action bien construite ne pas aller au bout. Endo. Ah non. Dans le tour de la défense. Le centre enchaîné. La tête. Oh, ça va, c'était à côté, dommage. Elle était très très moche, la tête. Mais en tout cas, la combinaison sur le côté était jolie. Et la tête était un peu moche. Hein. Et ça passe juste à côté pour Kingsley. Hop là. Il va falloir beaucoup plus de percussion, beaucoup plus de permutation et surtout de la vitesse avant que l'arbitre ne siffle la fin de ce match. Ah dommage. Le ballon est intercepté. C'est clair que c'était un bon ballon. Ah, Pléa, la vitesse de Pléa peut-être. Oh. C'est dégagé loin. On dégage, on ne cherche pas. 89ème. Un petit arrêt de Caballero. On est dans le temps additionnel. Allez, plus que quelques instants à tenir. Un long ballon vers l'avant. Encore une bonne intervention. Djibril Cissé, ah là là, dommage quand même. Et c'est la victoire 1-0 sur l'OGC Nice. Courte victoire. Ouais, ça va être évident, c'est un match assez équilibré quand même. Marcel qui a fait la différence, qui a su faire la différence. Voilà, victoire 1-0. Contre un concurrent direct. Ok, bon, on va faire un bon mois. Un match nul, 3 victoires. Toujours 2 joueurs dans mon équipe. Amada, Ali Amada dans l'équipe du mois d'avril. Ça tue. Et on va jouer contre Toulouse. Bon, on le fera dans un prochain épisode. Hein, parce que Toulouse, j'ai envie de le montrer parce que je suis bien à Toulouse, hein, forcément. On sait quoi le calendrier. C'est Toulouse, c'est Evian et c'est Reims. Ouais, on va s'arrêter ici. Et dans le prochain match, je ferai Toulouse et Reims et on fera Evian avec les moments forts. On verra qu'est-ce que ça donne. Voilà, allez, on s'arrête ici pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me fera très très plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager sur les réseaux sociaux et à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures sur PES 16. Allez, ciao!